Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ma partie solo sur les ruines perdues de Narak. Alors, on s'est arrêté à la troisième manche. Donc, je ne l'ai pas montré sur l'autre partie. J'ai récupéré bien sûr une carte peur parce que j'avais un explorateur sur un site avec une créature. Donc, faut pas oublier de récupérer une peur, hein, parce que ça fait quand même plutôt peur. Pourtant, je vais y revenir, hein, pour essayer de gagner des points. Bon, mais je l'ai bien pris en compte, il n'y a pas de souci. Pas de triche avec moi. Voilà, donc j'ai remis en place pour la troisième manche ici. Donc, on est parti. Donc, hein, on va pas trop parler maintenant que vous avez compris le principe. Donc lui, il va aller bien sûr sur ce qui m'intéresse. Alors lui, il va aller sur un site avec des rubis. Donc le premier site avec des rubis, bah, c'est celui-là. Voilà. Donc il me casse bien les pompons déjà dès le début. Donc là, c'est à moi. Donc voilà. Donc vous voyez, arrêtez avec les donc si oui. Donc ah! Pourquoi le donc existe? Vous voyez que les cartes artefacts vont grandir et les objets vont s'amenuiser. Pourquoi je cherche des mots compliqués moi aussi? Mais bon, c'est pas grave. Il y en a de moins en moins, donc on aura moins en moins de choix. Donc c'est ça qui est dommage parce qu'il y a des objets pas mal intéressants. Enfin, il peut y avoir des artefacts aussi intéressants. J'en vois un. Même deux. Ah, attention. Ici, on a un coffre au trésor. Alors, le coffre au trésor permet de piocher une carte et de gagner une pièce. Donc, ça pourrait être sympa. Et ici, oula, doucement, on a une idole d'Ara Anu qui permet de rechercher en payant un rubis de moins. Donc, ça peut être intéressant parce que justement, ça demande un peu des rubis. Donc, si on pouvait en avoir un de moins. Ça pourrait être pas mal aussi. Donc, essayez de récupérer. Voilà. Par contre, ne pas oublier que les artefacts sont gratuits. Le bonus est gratuit tout de suite. Mais ensuite, il faudra payer par tablette. Donc, il faudrait que j'arrive à récupérer pas mal de tablettes. J'aimerais récupérer des gardiens aussi. Quand même. Alors, celui-là, il va falloir que je défausse une carte. Sans la jouer du tout. Que je dépense une pièce et une flèche, j'ai rien du tout. Et oui, moi je voulais faire l'autre là-bas, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai comme carte? C'est pas trop le. Alors, c'est ça le problème. Si vous n'achetez pas beaucoup de cartes, vous n'allez pas avoir beaucoup de cartes. En plus, moi je me paye une autre peur. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait? J'ai dit que je voulais des tablettes. Alors, j'ai une carte, hein. J'ai une carte objet qui va m'en proposer. Mais malheureusement, ce sera au prochain tour parce que je vais aller là-dedans. Alors, non, encore je pourrais jouer la corde. Ça me permet de piocher deux cartes. Ça pourrait être plutôt intéressant. Alors, c'est vrai que j'ai là aussi. Il me faudrait un bateau. Un bateau. Alors, que je vais faire, c'est que je vais jouer la corde ici pour piocher deux cartes. Alors, il faut que je défausse une carte sans l'utiliser. Donc, je vais défausser une carte peur, voilà. Et pour piocher deux cartes. Hop. Et ben voilà, regardez, j'ai les tablettes et j'ai celle-là. Donc, c'était plutôt une bonne action. Donc là, j'ai joué une carte. Ah oui, donc c'est une action principale. Donc, je m'arrête, c'est à lui. Alors lui il va sur une. Oh punaise, il va sur un site avec une pièce. Le premier site, c'est celui-là. Et voilà. C'est ça qui est pénible. C'est qu'il va toujours aux endroits où tu veux aller. Voilà. Donc, ah oui, il faut que je garde. Ah oui, j'ai oublié. Il faut absolument que je récupère les cartes qui m'intéressent là-bas. Alors, là, il me faut trois, je les ai. Donc je vais tout de suite aller les acheter. Hop, mon action principale, j'achète l'artefact. Et j'ai fait une bêtise. Non. Si. Alors attendez, je vais pas la prendre tout de suite. Non, je vais pas la prendre tout de suite. Voilà. Alors, je vous l'explique et je fais l'erreur moi-même. Non, mais.
Non, je ne vais pas la prendre tout de suite en espérant qu'il me la prenne. Pas, ça va être chaud parce que c'est la moins chère. Donc il va automatiquement, si la tuile sort, c'est foutu. Parce que j'ai pas de recherche avec une pierre, sauf ici. Si, je pense qu'on peut y aller ici. Alors est-ce que je. Oui. Oui, je pourrais récupérer un autre. Un autre, est-ce qu'il y en a un qui m'intéresse? Ouais, ça pourrait être pas mal. Alors, savoir que si vous. Ah, j'ai oublié de le redresser d'ailleurs. Si vous avez déjà deux personnages avec vous, et que vous en voulez un autre, il va falloir bien sûr vous en défausser d'un. Et oui, là j'en ai besoin que d'ici. Là, il me faudrait. Et oui, lui, il me pique ce que je veux. Casse les bonbons. Je vais jouer cette carte. Je vais jouer mon petit chien. Donc je récupère la boussole et je peux activer un site non occupé. Je vais activer tout de suite la flèche. Si avec un peu de chance, je peux y aller après. Donc là, c'est à lui. Et ben voilà, il y va. Et voilà, forcément, forcément. Ah non, il est là d'abord. Il y a une flèche ici. Voilà. Ah, ben oui. Ah oui, mais c'est un site de base. Ah mince. Ah, ça aurait été pas mal là. Oh, j'ai joué comme une nulle. Toute façon, à chaque fois que je filme une partie, je me plante parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, du coup, je prends pas le temps de regarder. Donc, vous, quand vous jouez, prenez bien le temps de regarder tous les choix qui s'offrent à vous. Hein. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Oui, bon, il va me falloir des tablettes. Donc, action gratuite, je vais aller récupérer deux tablettes. Déjà, au moins ça, j'ai des tablettes. Alors, est-ce que. Eh bien, je vais faire de la recherche maintenant. Donc, ça, c'était une action gratuite, hein, je vous ai dit. Donc, action principale, on va aller ici faire de la recherche. Donc, deux tablettes et. Deux tablettes et une pointe. Voilà. Je n'oublie pas de récupérer ma petite boussole ici. Voilà. Donc, ça m'en fait. Ouais, ça m'en fait toujours. Hein. Un peu d'avance. Ah oui, du coup, j'ai plus de monstres là où je voulais. Bah, tant pis. Donc, c'était action principale. Donc, c'est à lui. Et ben voilà, il va récupérer l'artefact le moins cher. Mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Rembobinez si vous voulez. Mais voilà quoi. Il va prendre ma carte. Ah, mais lui. Faudrait que je lui donne un nom. Tiens, faudrait que je le matérialise, mon rival là. Parce que oui, c'est un rival. Vraiment un rival. Il prend tout ce que je veux. C'est peut-être un mentaliste, hein, parce qu'il doit lire dans ma tête, à mon avis. Donc, je vais essayer de récupérer celle-là. Je peux. Donc, je vais le faire. Parce que si je vais sur un site, je pourrais. Je pourrais aller à un site qui n'est pas découvert, mais j'aurais pas assez. Ah, quoi que si, j'en ai. Ah, mais si, j'ai détruit déjà une carte. Ah oui, j'en ai une là. Ah! Ouais, voyez-vous ça. Et oui, mais bon. Si je prends pas la carte, je l'aurai plus. Et ça peut être important, les cartes. En plus, les cartes artefacts, là, ce sont des avions, le transport. Donc là, les avions, je peux me déplacer partout. Donc ça serait plutôt intéressant. Allez, tant pis. Allez, on fait comme ça pour cette partie. Je vais pas. Rester 2 heures là-dessus, je vais récupérer. Alors, c'est quoi un coffre au trésor? Donc là, je peux piocher une carte. Donc, je pioche une carte et je gagne une pièce. Voilà. Et ensuite, la carte, vous la mettez dans votre zone de jeu parce que vous l'avez utilisée. Voilà. Et j'ai pioché quoi? Une pièce. Bon, c'est pas grave. Là, c'était une action principale. Donc, c'est à lui. Et il va sur une tablette. Alors, tablette, ben, ça sera celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste, moi? Ah, bah, ben, que des cartes. Alors. Ah, mais j'ai pas déplacé mes personnages encore. Ah ah. Peut-être que j'y pense. Quand même que je perde pas bêtement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. Alors, là, comme c'est des bottes et que j'ai des véhicules qui sont au-dessus des bottes, je peux utiliser n'importe lequel pour me déplacer. Donc, on va. Ouais, je vais utiliser donc cette carte, mais pour l'action de déplacement ici.
et me déplacer sur la pointe de flèche. Voilà, donc ça c'est une action principale. C'est à lui. Il récupère un objet le moins cher, donc ça sera sur la droite, ça sera celui-là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, plus c'est cher, bof, bof, bof. Alors, à moi. Et j'ai encore un autre personnage. Qu'est-ce que je pourrais aller récupérer? Soit des boussoles. Ou alors, je peux défausser une carte. Qu'est-ce que j'ai là? Il faudrait que je récupère un autre personnage ici. Mais pour ça... Ah si, je peux. Je peux faire de la recherche. J'ai ce qu'il faut. Il me faudra pas mal de flèches bleues. Mais déjà, tout est occupé. On va aller... Ben, je vais aller chercher de la recherche. Je vais dépenser ça pour le déplacement. Et je vais aller chercher des boussoles. Voilà, à lui. Hop. Lui, il va faire de la recherche. Alors, lui, il n'y a pas le choix à gauche, à droite. Ça va ici. Et il récupère un personnage. Donc, vous ne le voyez pas, mais il y a... Ben, il y en a qu'un qui a 4 tuiles. Donc, c'est celui-là qui va prendre. Et en lui. Voilà. De nouveau à moi. J'ai plus de personnages à déplacer. Donc, je vais récupérer simplement en action gratuite les ressources ici. Voilà. Donc ça c'était gratuit. Alors est-ce que je fais quelque chose avec ça? Alors je pourrais faire de la recherche. Et j'ai dit que... Ah ouais, je pourrais... Non. Ah je peux pas là, j'ai pas ce qu'il me faut. Mince. Si, j'ai dit que j'allais avancer mon petit calepin ici. Donc je vais avancer ici. Hop. Et là je récupère une autre... Alors ouais, il y a des sous. Et je vais récupérer... celui-là, parce que si je dépense une pièce, je peux récupérer une pointe bleue. Et quand il sera amélioré, j'aurai le choix entre la flèche ou la pierre. Donc, ouais, ça peut être sympa. Donc, action principale. Donc, c'est lui. Oups, reste là, toi. Alors, lui, il va sur les boussoles. Les boussoles, il n'y en a pas. Donc, désolé, tu restes là-bas. J'ai plus de cartes. Alors, qu'est-ce que... Alors, V1. Ouais. Je vais les garder plutôt mes boussoles pour pouvoir peut-être aller chercher d'autres trucs. Alors, faut pas oublier que j'ai toujours mon idole que je n'ai pas utilisée. Non, je vais pas piocher de cartes. Ah, j'en ai qu'une. J'aurais pu, ouais, je pourrais la prendre. Ouais, mais si elle est toute seule, ça va peut-être pas valoir le coup. Parce que je sais plus ce qu'il me reste. Et il doit me rester une carte peur, je crois. Ouais. Oui, j'en ai défaussé qu'une. Ouais, donc non, on va pas la prendre, ça sert à rien. Donc on va tout garder. Je vais dépenser celui-là, enfin mes deux personnages. Hop, je vais les activer pour récupérer une boussole et changer une pièce en pointe de flèche. Voilà, ça peut être utile. Voilà, donc moi j'ai fini. De toute façon, je ne ferai plus rien, je vais passer. Donc lui, il va finir ce qu'il a à faire. On est à la troisième manche. Donc troisième manche, il va découvrir un site. Et un site donc à gauche. Donc de toute façon, il ne reste que là-bas. Et il y aura un monstre à mettre dessus. Donc là, il récupère une idole qu'il n'a pas. Ici. Il met la tuile là. Il se met là. Et il met un monstre dessus. Voilà. Et ben, il va continuer puisque moi j'ai fini. Et là, ah ben voilà. Il doit donc récupérer un monstre sur un site où il se trouve. Ou alors faire de la recherche. Donc, il y a des monstres partout où il est. Donc, ça sera au choix parce que là, j'ai plus de cartes. Enfin, il n'y a plus de tuiles. Donc, on va prendre... qu'est-ce qu'on va lui laisser? On va prendre celui-là. Hop, donc on la retourne et on la place sur son plateau de jeu. Voilà. C'est tout. Moi, de toute façon, moi, je fais rien. Et lui, il a joué toutes ses tuiles. Donc, on a fini la manche 3. On va passer à la 4. Allez, on est parti pour la manche numéro 4. Donc, c'est lui qui commence. Il ouvre le bal. Et là,
il n'a pas encore d'explorateur sur le plateau, donc il va faire de la recherche. Alors, recherche, la flèche indique à droite, donc il va partir à droite ici. À moi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Une carte peur et quelques cartes que j'ai achetées. Alors, ce qu'il faut des... Alors, je vais jouer cette carte pour l'action gratuite. Je vais récupérer les deux tablettes ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cet artefact ici. Donc, pour le jouer maintenant, il va falloir que je dépense une tablette à chaque fois. Donc, je dépense une tablette pour piocher une carte et gagner une pièce. Ça, c'était une action principale. Et j'ai pioché quoi? Une carte nulle. Alors ça aussi, ça peut être des cartes qu'on pourrait détruire si on arrive à récupérer des cartes qui sont plus intéressantes. Bon, ça, c'est chacun fait comme il veut. Alors, donc, c'est à lui. Alors, il fait de la recherche. Alors, il dit où? Il monte, hein. Alors, la flèche indique à gauche, donc il va aller ici. Et il va récupérer un personnage. Donc, il y a toujours le plus haut, c'est celui-là. Donc, ça sera celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme artefact? Ah, alors, celui-là, il peut être intéressant. Le masque de guerre. Alors, on récupère une pointe de flèche. Mais il ne recevait aucune carte peur de gardien lors de cette manche. Ça pourrait être intéressant parce que ça voudrait dire que là, par exemple, je me déplace sur un site avec un monstre. Ensuite, j'achète l'artefact et ça va me permettre justement de pas être pénalisé lorsque je vais retirer mon explorateur. Donc ça pourrait être pas mal. En même temps, j'aimerais essayer de gagner des monstres aussi, hein. Donc, c'est pas le top, mais j'ai que des cartes. Ouais, mais si on n'achète pas beaucoup de cartes, on se retrouve pas avec. J'ai bien mélangé pourtant. Alors, on va faire un truc, tiens. Alors, attendez, réfléchissons un peu avant. Non. Si, oui, non, je sais pas. C'est compliqué. Donc, je vais utiliser cette icône-là pour déplacer mon petit explorateur là pour récupérer une pièce et une pointe de flèche. Voilà, avant que lui, il n'y aille. Alors, c'était une action principale, donc c'est à lui. Il va sur une boussole. Alors, boussole, il n'y en a que là. Voilà. Ensuite, alors là, ça pourrait passer piocher une carte, mais après, si j'ai ce qu'il faut là. Alors, mais par contre, il me faut un bateau. J'en ai pas. Crotte! Pardon. J'ai pas de carte. Zut, zut, zut de flûte. Parce que, ou alors, après, c'est vrai que j'ai besoin des pierres aussi. Si je vais là, je récupère ça et il me faudra. Ben oui, il m'en reste deux, donc c'est bon. Et une, ouais, on va faire ça. Donc je vais dépenser. Enfin, je vais utiliser une carte pour le déplacement ici en voiture. Ici, je récupère une pierre au passage. Et non, ça c'était une action. Ah oui, maîtriser le gardien, c'est une action principale aussi. Donc là, j'ai fait l'action me déplacer. Donc je ne peux pas jouer deux fois, évidemment. Donc lui, il va se déplacer sur une tablette. Ben, la première tablette, elles sont là. Ça aurait pu être sympa aussi, mais je me retrouve avec une... Ouais. Non, moi, ce que je voulais, c'est récupérer un peu de points grâce à ça. Alors là, on va maîtriser la créature. Donc, une sorte d'iguane avec une crête, là. Alors, pour le maîtriser, il va falloir que je dépense donc une voiture et une pointe de flèche. Hop. Voilà, et je le récupère. Alors, lui, comme faveur, il me fait la faveur d'un transport en bateau. Donc, tant que je ne l'utilise pas, je vais la garder face visible. Et une fois que je l'aurai utilisé, je pourrai le mettre de l'autre côté. L'autre côté, on a les points. De toute façon, en fin de partie, elle va, même si on l'a pas utilisé, ça rapporte quand même 5 points. Parce qu'on a maîtrisé le gardien. Voilà.
Donc, c'était une action principale à lui. Donc, il va récupérer une petite pièce. Des pièces, des pièces, des pièces. Ce sera celle-là. Alors, moi... mais non, moi, j'ai plus de personnages. J'ai plus de personnages. Il me reste que lui qui me sert à rien. Je peux pas me déplacer. Non. Alors... Par contre, j'ai beaucoup de jetons, donc la recherche. On va essayer de grimper en recherche. Ah oui, tiens, pas mal. Je vais aller ici, je vais faire de la recherche là. Une tablette et une pierre. Hop, très bien. Comme ça, je vais ici, je récupère le jeton ici qui me dit de détruire une carte. Donc, il me reste justement une peur, donc on va la détruire. Bye bye. Voilà, là, je gagne le jeton ici. Bon, j'ai pas mal de... Ouais. Dès que j'essaie de récupérer ici, ça serait bien pour gagner un peu plus de points. Alors bien sûr, les idoles qui sont retournées, comme ça vous ne gagnez que les 3 points. Vous ne gagnez pas le bonus qui est derrière, bien sûr. Ça reste caché. Donc ça, c'était une action où j'ai fait de la recherche. Donc c'est à lui. Donc objet le moins cher, bah, ça sera celui-là. Voilà. Donc, il n'en reste que 2. Alors là, à chaque fois, il n'y en a pas énormément. Acheter un objet en payant 3 de moins. Et non. Là, il n'y a rien. Je ne vais pas dépenser là-dessus. Qu'est-ce que je peux... Alors, je ne peux pas me déplacer. Toujours, j'ai plus de cartes. Et j'ai plus d'explorateurs. Donc, à part faire de la recherche ou de l'achat. Alors ça, ça aurait pu être sympa. Révéler la première tuile de la pile... donc des sites et activer là puis placer là en dessous de la pile, donc ça c'est bien, mais bon, je sais pas qu'est-ce que ça va m'offrir, mais ça peut être intéressant. Alors est-ce que 4 5 6, non, je vais peut-être les garder pour le moment parce que je vais essayer d'aller là-haut. J'y suis jamais allée là-haut d'ailleurs. Donc, moi, je ne fais rien. J'ai 3 pièces, mais je ne vais pas les utiliser. Et la recherche... non, je ne peux rien faire non plus. Donc, moi, je passe. Alors, à lui. Lui, il va aller sur la pointe. Pointe, 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 ça sera celle-là. Je continue de passer. Hop. Alors, on est au 4. Le 4, ah, il va découvrir un site de niveau 2, ici. Voilà. 100 monstres. Donc, le plus à gauche. Alors, plus à gauche, donc il va récupérer ici. Alors, donc il va récupérer les jetons ici. Donc, ne me trompe pas, ça sera pour lui. Et celui-là. Voilà. Alors, peut-être que je pense. Voilà. Alors, vous voyez que les sites de supérieurs, comme ça, vous rapportent beaucoup plus de choses. Hein. Donc, il faudrait que j'essaie d'y aller. Le problème, c'est qu'il ne reste qu'un tour après. Hein. J'ai pas pensé à ça. J'essaierai de tout miser. Ça va très vite, hein, les 5 manches. Donc, à moi, je passe toujours. Donc, lui, il va continuer. Artefact le moins cher. Il y en a 3. Ça sera celui de droite. Hop. Alors, je pense que dans les niveaux plus difficiles, il va récupérer des artefacts et des objets plus chers. Donc, ça va lui rapporter plus de points. Ah, il était pas mal, l'artefact, là-bas. Ah... Mais bon, non, parce que si je veux aller là, il ne faut pas que je dépense. Donc, je passe toujours et lui fait la dernière action qui est la pierre rouge. Ça sera ici. Voilà. Bah c'est tout. Moi, je fais toujours rien. Je passe. Tout le monde a fini. On passe à la dernière manche. Dernier d'air, attention. Alors, c'est lui qui commence. Artefact le moins cher. Allez, on commence. Alors, le moins cher, bah, il n'y en a qu'un. C'est celui-là. On déplace. Hop. Voilà, alors, à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché comme carte? Alors, réfléchissons. J'ai dit que je voulais essayer d'aller là-haut. Donc, pour ce faire... Ah, ça va être chaud parce que là, il va falloir 2 cartes. Alors, j'ai pas... Et ouais, il y a des artefacts qui proposent déjà... 2 icônes là, c'est plutôt pas mal, mais je sais pas si j'en ai. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est de l'argent, je m'en fous.
Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes dessins. Bon. Là, je pourrais piocher. Je pourrais piocher une carte là. Bon. Je vais utiliser ma corde. Alors, je dois défausser une carte sans l'utiliser. Donc, ma peur, je m'en fous un peu. Et je vais piocher deux cartes parce que ça peut être plutôt utile. Oh, mais non, mais j'ai pas que ça quand même. Bon, c'est pas grave. Je les utiliserai pour les icônes. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il va sur une tablette. La première tablette. Ah, et bah oui. Oui, ça propose la tablette là-haut déjà. Ah ouais. Bon. Alors, moi j'ai dit que je voulais essayer d'aller me déplacer là-haut. Alors, pour ce faire, donc là les 6, je les ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Je les ai, j'ai même un plus là. Il me faut deux bateaux ou deux voitures. Donc, alors le chien, j'aimerais le garder. Donc, on va. Alors, qu'est-ce que ça me propose? Ah oui. Alors là, on a une idole qui permet de relever un personnage qu'on aurait utilisé. Donc, il faudrait que, en fait, je l'utilise tout de suite. Et là, ça permet de supprimer une carte. J'ai une carte peur encore, donc ça sera plutôt pas mal. Et cette icône-là, en fait, c'est pour échanger. Alors, je ne sais plus. C'est pour échanger une tablette pour une flèche ou une flèche pour une pierre. Voilà. Donc, non. Mais je vais prendre plutôt celle-là là-bas. Donc, je vais utiliser ces deux cartes pour les deux icônes de voiture ici et me rendre ici. Donc, je récupère les deux idoles ici. Donc, celle qui est cachée, elle reste cachée. Celle qui est visible, je vais l'utiliser. Donc, c'est détruire une carte. Comme j'ai une carte peur, bah, très bien. Hop, j'ai plus du tout de carte peur. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je prends donc une tuile site. Oh, bah mince alors. Ça m'en donne une. Bon, mais c'est plutôt pas mal. Regardez, ça me donne deux tablettes et deux pointes de flèche. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, pas que j'oublie de prendre une carte. Hein. Bon. Dommage, dommage, dommage. Et oui, il ne faut pas que j'oublie qu'il y a le monstre qui vient avec. Voilà. Donc, alors, un scorpion. Donc, il faudra que je défausse une carte, une boussole et. Alors, j'ai ce qu'il faut. Ah, j'ai pas dépensé. Oups, excusez-moi, j'ai oublié, comme j'ai découvert un nouveau site, de dépenser. Voilà, je le fais tout de suite. Hein. C'est bon, c'est pas trop tard. Donc là, du coup, j'ai plus rien, oui. Mais j'ai mes idoles que j'ai pas utilisées encore sur mon plateau, donc ouais, je pourrais les utiliser. Donc là, j'ai fait mon action, il va jouer. On verra après. Donc là, il va récupérer un monstre, mais il n'y a pas de monstre où il se trouve. Donc il va faire de la recherche. Et non, même pas, parce qu'on est dans la manche 5. Donc à la manche 5, il ne fait rien. Et ça m'arrange et toc. Alors, à moi. Donc, alors, il faut que j'arrête avec mes donc. Ça m'énerve. Alors, est-ce que je pourrais le maîtriser, lui? Alors, il faut que je défausse une carte. Ah oui, j'ai récupéré une carte peur, lui, du coup. Donc oui, je pourrais défausser une carte. Par contre, j'ai pas. Ah non, j'ai pas de jetons. Donc, du coup, on va se déplacer. Donc, non, pas celui-là. Si, il me faut quoi? J'ai dit une pointe, une boussole. J'ai pas de boussole. Donc je vais utiliser ma peur pour me déplacer, hop, sur ici pour récupérer deux boussoles. Enfin, j'aurais pu, ouais, récupérer. Oh, mais bah, tant pis. Donc ça, c'était une action principale. Donc on va laisser jouer pour le moment. Alors là, il fait de la recherche. Non, puisque là, la manche 5, il n'en fait pas. Donc lui, il est arrivé au bout. Très bien. Donc, ah, arrête avec les donc. Bon. On va aller essayer de maîtriser ce gardien maintenant. Il me faut défausser une carte. Bah, je vais plutôt défausser. Ouais, je vais défausser cette carte. Voilà. On va défausser une boussole et une pointe.
Et on récupère le petit scorpion. Alors, le scorpion, il me permet immédiatement et gratuitement de piocher une carte. Donc, lui, je vais la retourner parce que l'action est faite. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai le bateau, là. Alors, je pioche ma carte. Hop. Ah, ben, c'est bien. Je pourrais récupérer des tablettes. Donc, faut pas que j'oublie que j'ai mon autre gardien ici que j'ai pas utilisé, là, pour le déplacement. Ah oui, mais j'ai plus d'explorateur maintenant. Bon, ben, tant pis. À lui. Alors lui va récupérer une pierre rouge. Ça va être celle-là, la première. Alors ça, c'est pénible de ne pas pouvoir se déplacer après comme on veut. Alors, faut pas que j'oublie que j'ai pas mal de. Hop, je vais retourner. 10 doles. J'en ai 3 que je peux utiliser ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors, on va essayer de faire de la recherche maintenant. Parce que là, ça va me prendre trop de temps. Parce qu'il va me falloir des boussoles. Donc, j'en ai pas assez. Donc, le temps d'aller en chercher, c'est pas la peine. Et des cartes pour là. Donc, je vais pas perdre mon temps là. Je vais faire à fond la recherche. Enfin, essayer de faire. Oui, c'est le dernier tour en plus. C'est foutu là. Mince. Alors, attendez. On va essayer de. Je vais avancer ici. On va faire la recherche avec lui. Donc deux tablettes et une pointe. Et là, vous voyez, je peux améliorer un de mes personnages ici. Et ben, je vais améliorer celui-là. Voilà. Et quand il est amélioré, s'il était déjà baissé, en l'améliorant, ça le redresse. Voilà. Je précise. Donc là, c'est à lui. Il va sur un site avec des pièces. Ce sera celui-là. Alors à moi. Donc j'ai dit à fond sur la recherche. Alors attends. Là, j'ai pas de pierre rouge. Alors, j'ai. Ah ben oui, mais il n'y en a pas là. Si, à moins que je défausse. Alors, ce que je vais faire, je vais jouer mon chien. Je vais jouer mon chien. Donc, je gagne une boussole et je peux activer un site non occupé, un site de base. Je vais prendre une pointe bleue. Je vais activer celui-là parce que j'aurais d'en avoir besoin. Ouais. Donc, ça, c'était une action principale. Il va jouer. Et il va prendre un objet. Bon, il n'en reste qu'un de toute façon. Malheureusement, c'est un 2. Mais bon, c'est ce qui reste. À moi. On continue. Je continue ma montée. Alors. J'ai pas de pierre rouge. Mais oui, j'aurais dû faire ça. Alors, ce que je peux faire. Je vais activer ici. Donc, je vais mettre une idole sur mon plateau, la première case. Pour activer gratuitement hein, celui-là parce que j'ai besoin d'une pierre rouge, donc je défausse une pièce et je récupère un rubis. Donc ça c'est une action gratuite. Alors maintenant j'ai ce qu'il faut, donc je vais faire de la recherche ici. Je défausse ma pièce et mon rubis. Là je récupère ça. Voilà. Donc là c'est à lui. Il va récupérer un endroit où il y a une pointe de flèche ici. Ensuite, alors on va continuer de la recherche. Il faut que je monte. J'ai pas ce qu'il faut. Si, je pourrais aller là. Alors attends. Je vais action gratuite ici. Je récupère mes deux tablettes. Hop, gratuitement. Et je vais faire ma recherche ici. Deux tablettes et une pointe. Hop, je récupère. Ah ben là, je pioche une carte. Hop. Et là, c'était une action principale. Donc c'est à lui. Alors, lui, on est en phase 5, vous voyez, enfin manche 5, il ne se passe rien. Ça, c'est bien la dernière manche, en fait, il fait rien à part tout ce qui est, on va dire, l'excavation de site, en fait. Donc, voilà. Alors, on va essayer de voir si je peux continuer à monter. Le problème, c'est que j'ai. Si, je peux aller là. Lui. Ça va rapporter plus de points si je monte. Alors, ça. Attends, voilà. Alors, je continue ma recherche. Je peux aller là, donc je vais là.
Hop, on défausse. Et là, je récupère encore un truc comme ça. Voilà. Donc, à lui. Donc, c'est sa dernière action, lui. Il va aller sur un site. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Site avec des boussoles. Bon, ben, à moi. Ben, non, lui, il a fini. Donc, maintenant, moi, je peux finir. Alors là, je suis au bout de ma vie. Et j'ai pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Et oui, il me faut du haut. Ah, je peux piocher une carte. Ah, mais non, j'ai pas de tablette. Bon. Et ben voilà quoi. Ben non, parce qu'il me reste que des boussoles. Alors après, si je peux récupérer. Ah si, j'ai encore mes idoles que je pourrais utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il me faudrait là? De rouge, je peux pas en avoir. Donc là, je peux pas monter. Par contre, lui, donc je peux avoir deux pointes en utilisant deux idoles pour pouvoir aller là. Ou alors, ouais, non. Ben, je crois à défaut quoi que je peux faire que ça. Donc je vais utiliser une autre de mes idoles ici pour récupérer une pointe. Ouais, on va faire comme ça. Allez, pour récupérer une pointe. Donc ça, c'est une action gratuite. Hein. Et je continue. Je vais placer ma dernière idole pour récupérer une autre pointe. Voilà. Et ensuite, je vais dépenser donc mes deux pointes, action principale, pour monter ici. Et je peux améliorer lui, mais de toute façon, il ne va pas me servir à grand-chose. Et voilà. C'était une action principale. Donc lui, il n'a plus rien. Alors je sais plus si lui il a fini, du coup j'ai plus le droit de faire d'action. Parce que si je peux faire encore des actions principales. Parce que je pourrais aller acheter une carte, utiliser l'effet. Ça part bien. 4. Bon, bah c'est tout. On va s'arrêter là. Maintenant, on va passer au décompte des points. Voilà, tout le monde a joué. Il ne se passe plus rien. Donc, allez, on va regarder un peu ce que ça donne. Allez, on est parti pour le décompte des points. Alors, on a un petit papier pour le détail. Donc, c'est très simple. En plus, des fois, il y a des calculs, c'est plutôt compliqué. Mais là, vraiment, tout est simple. Alors, on va commencer avec lui. Alors, on commence par regarder le niveau de recherche. Donc lui, je recommence avec mes donc, il est à ce niveau-là, donc il va gagner 16 points. Hop. Ensuite, ben, je vais faire moi en même temps. Du coup, alors moi, ma loupe, elle est au niveau 16, comme lui, et j'ai mon calepin qui est au niveau 4. Enfin, je dis niveau 4, mais enfin, voilà, 4. Ensuite, on compte les petites tablettes là, qu'on va récupérer. Donc, personne n'en a récupéré. Donc, il n'y a rien du tout. Ensuite, on regarde les idoles. Alors, les idoles, il en avait récupéré une face cachée lorsqu'il avait découvert un site dans le deuxième niveau. Donc, les idoles qui sont face cachée, pour lui, c'est dans les moins 1. Tant mieux pour moi. Donc là, on va compter uniquement les idoles qu'il a récupérées ici. Donc, 3 et 3, 6, 9. Alors, 9, il est où? Il est ici. Voilà. Moi, j'en ai. Alors, moi, il faut faire attention par contre. Il faut compter donc les idoles que j'ai placées ici. Ou même les idoles, même si je ne les avais pas placées, elles comptent quand même. Sauf que si elles n'étaient pas placées, j'aurais compté mes idoles ici et les points ici. Voilà. Mais là, je les ai utilisées, donc du coup, je compte celle-là, plus cette dernière, même si elle est vide, elle compte. On va reposer délicatement le plateau. Donc, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, c'est ça. Hop, 13. Ensuite, on en est au monstre. Alors, lui, il n'en a que 1. Donc, tous les monstres valent 5 points. Donc, il n'y a pas de... Ça aurait pu être... aléatoire, mais non, c'est que des 5 points. Moi, j'en ai 2, donc ça me fait 10.
Après, on compte les cartes artefacts et objets. Vous voyez qu'il y avait les points, hop, ici en bas. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lui, il a 11. 11 et moi, je les avais mis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, j'en ai pas énormément. 6 et ensuite, on compte donc les cartes, enfin tout ce qui nous donne moins 1. Donc lui, nous on a les cartes peur, mais lui c'est les idoles qu'il a déjà ou celles qui sont face cachées. Donc il en a 2, donc ça lui fait moins 2. Et moi, il me reste que une carte... je vérifie que je ne me trompe pas. J'ai que une carte peur, donc moins 1. Moins 1. Allez, on passe au total. Et voilà, le total est fait. J'ai 48 points et lui, il en a 39. Donc, c'est une victoire pour moi. J'ai l'impression qu'en jouant un peu plus souvent, encore que là, c'était bon, c'était en commentant, donc c'est un peu perturbant, mais bon. Voilà, je vais peut-être mettre des tuiles rouges pour augmenter un peu plus cette difficulté, maintenant que je maîtrise bien le jeu. Voilà, parce que vous voyez, sur une autre partie, j'avais fait 56 et lui 39. Là, j'avais fait une bonne partie, je crois que j'avais dû faire... ouais, j'avais fait pas mal de recherches. Voilà, j'étais à fond sur les recherches, j'étais déjà allé à fond là-haut. Donc c'est vrai que c'est ça peut être pas mal, voilà. Voilà, bah écoutez... J'ai fini cette partie des ruines perdues de Narak. J'espère que ça vous aura bien éclairé et puis surtout aidé à choisir si vous le prenez ou pas. En tout cas, moi, je ne pourrais que vous le conseiller parce qu'il est très agréable à jouer. Il n'est pas compliqué. Alors, pour ceux qui regardent et qui ont des enfants, de jeunes enfants, vous pouvez les faire jouer hein, du moment qu'ils comprennent un peu toutes les actions et tout, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas que pour les experts, hein, vous pouvez, c'est très facile d'accès. Après, le plus difficile, ça sera de choisir votre voie en fait, tout simplement. Voilà, alors, écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller faire mon petit montage. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À très bientôt, les amis. Salut !